Bonjour tout le monde, aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo spéciale été. Il fait super chaud et on change de climat complètement, donc on change de soins, de maquillage, de recettes. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer mes produits chouchous, les produits que j'utilise quasiment tous les jours avec cette chaleur, avec ce climat et ce changement. Et je vais vous montrer à la fin mes deux recettes chouchou pour le moment de smoothie que je bois quasiment tous les jours et des fois plusieurs fois par jour. Des recettes super fraîches qui vont très bien avec l'été, qui donnent du peps et qui font vraiment du bien. On commence avec les produits soins. Donc nettoyage, ça c'est un produit que j'utilise tous les jours, que j'ai utilisé pendant tout le printemps et là l'été. Donc c'est le nettoyant Neutrogena Visibly Clear, celui qui est au pamplemousse, qui sent vraiment très très bon le pamplemousse, qui rafraîchit très très bien. Moi, ça fait vraiment plusieurs mois que je l'utilise, il est quasiment fini, mais il me réveille très très bien le matin. C'est une odeur super fraîche de printemps et d'été et il nettoie très très bien les impuretés, donc il est top top top. Produit aussi que j'utilise en ce moment, donc c'est une crème pour peau sèche de Mixa. Donc vous pouvez utiliser la crème de votre choix. Moi j'utilise celle-là que j'ai achetée chez Action, qui est spéciale pour peau noire. Alors vous voyez, j'ai pas du tout une peau foncée, mais c'est une crème qui est faite pour les peaux super sèches, déshydratées. Moi je l'utilise quasiment tous les jours avec la vaisselle. Vous voyez, il y a vraiment beaucoup de vidéos, donc beaucoup de vaisselle. Et avec ce climat super chaud, donc j'ai des mains super déshydratées et j'utilise ça vraiment tous les jours. Ça me fait du bien et ça apaise très très bien les mains. Un autre produit aussi que j'utilise depuis un moment, que je vous ai montré, mais que j'adore ressortir chaque été, vous voyez, il est quasiment fini. C'est ce produit pour les cheveux de Frank Rose. Donc c'est la gamme Expert Nutrition qui top top top, qui sont vraiment très très bons, qui sont la noix de macadamia et qui est super fraîche et super bonne pour l'été. J'adore. Un autre produit, je peux pas vraiment vous montrer mes indispensables pour l'été sans vous montrer une protection solaire. Donc ça c'est un lait de protection avec un SPF 50 parce que j'ai une peau super clair et surtout que j'utilise avec mon bébé la même chose, donc c'est plus pratique. J'utilise celle de Mixa mais j'ai vraiment pas une marque favorite, donc j'utilise un petit peu tous les laits ou les crèmes solaires. Un autre produit que j'utilise vraiment très très souvent, c'est cette eau extraordinaire de chez Melvita. Je l'ai eue à la Beautiful Box, elle est superbe, elle sent vraiment très très bon, elle sent l'eau de rose, elle réveille très très bien le matin et ça vous rafraîchit vraiment. Avec cette chaleur-là, on a vraiment besoin d'odeurs super fraîches comme ça et super douces qui pénètrent très très bien dans votre peau. Donc ça s'étale très très bien. Ça vous donne un petit aussi côté glowy, un petit peu brillant le matin. Ça réveille très très bien. Et croyez-moi, ça avec le gel que je vous ai montré au début, j'utilise tous les jours. Et j'ai besoin de mettre quelques gouttes. Comme vous voyez, la bouteille n'est pas finie. Donc c'est 50 ml, il me semble. Mais moi, j'utilise tellement peu. Ça marche très très bien. Ça s'étale très très bien. Donc j'ai besoin de peu. Là, je vous montre deux vernis à ongles. Donc le premier de cette couleur-là, un petit peu corail sur du rouge. Donc ça, c'est de la marque Vogue. Je ne sais pas du tout si c'est commercialisable. Moi, je l'ai eu en cadeau avec des lunettes solaires. D'ailleurs, je me rappelle que j'ai oublié de vous montrer mes solaires aussi. C'est indispensable pour l'été. Je vous les montrerai dans une prochaine vidéo. Mais c'est une couleur que j'adore pour le printemps et surtout l'été. Super frais. Et une autre couleur aussi que je ressors tout l'été, tout le temps. C'est des couleurs super pétantes comme ça, comme ce jaune. J'ai aussi du bleu. J'adore ressortir ces couleurs-là l'été. Un autre indispensable pour moi et pour toutes les personnes qui portent des lunettes, c'est des lentilles, que ce soit pour aller à la plage. Donc c'est bien des jetables journalières que vous utilisez si vous nagez. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien parce que les lunettes avec la sueur et la chaleur, c'est pas top. Donc je préfère les lentilles. Un produit vraiment chouchou et que j'utilise depuis que j'ai eu dans la Beautiful Box aussi. Donc c'est ce mascara Better Than Sex de chez Too Faced,
qui est vraiment top, top, top. Les premières fois que je l'ai utilisé, je sentis que c'était un petit peu pâteux, mais plus on l'utilise, on s'habitue vraiment. Et la brosse est géniale pour l'application, ça vous fait des cils de ouf. Et ça tient, même si cette version-là n'est pas waterproof, ça tient très très longtemps. Et c'est le format poche, donc super pour l'été, pour les voyages. Je vous montre là une palette que j'utilise tout le temps, et elle a vraiment des teintes super belles pour le printemps et l'été, surtout l'été avec ce rose magnifique. C'est une palette que vous pouvez emporter avec vous en voyage parce que vous avez une poudre compacte, vous avez plusieurs couleurs, le rose, des couleurs plus foncées, des couleurs marron chaude, et vous avez un highlighter, un blush et deux teintes de rouge à lèvres que j'ai pas utilisé, mais vous pouvez emporter tout simplement cette palette toute seule pour vos vacances, donc c'est parfait. Elle est petite, elle tient vraiment peu de place, donc elle est géniale. Et il y a surtout un très très beau highlighter dans cette palette là et l'été et les highlighters, c'est très très important. Et ce que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que c'est les teintes de cette palette là. Les fards sont vraiment super pigmentés, comme vous voyez, les couleurs elles sont magnifiques. Je vous avais fait un haul avec les produits de cette marque là, donc je vous l'avais pas dit, mais c'est une palette de chez BH Cosmetics, donc qui est top top top. Et je vous avais fait un haul, je vous ai montré les produits BH Cosmetics qui sont top, qui sont pas chers du tout. Cette palette là m'a coûté, il me semble, 9 €, donc pas cher. Un autre indispensable pour l'été, donc c'est les smoothies. Les smoothies, j'en fais déjà toute l'année aux fruits rouges ou à plein avec plein de goûts différents. Mais en ce moment, j'en raffole à ceux qui sont à base d'ananas et d'eau de coco. Donc là, je vais vous présenter deux recettes. La première, c'est vraiment ma favorite que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. La deuxième, je la fais depuis un moment, mais vous allez voir, c'est très très bon, c'est rafraîchissant. Donc pour la première recette, on va avoir besoin d'ananas, donc pour les deux des ananas, et une banane et du citron ou du pulco si vous n'avez pas de citron. On commence par couper tous nos fruits, donc ananas, banane. On va venir mettre ça dans le blender. On va rajouter dessus le jus d'un citron avec de l'eau. Et pour sucrer, moi j'utilise le sirop d'agave, donc c'est un sirop d'agave bio. Vous pouvez utiliser du sucre si vous souhaitez, du miel, ce que vous souhaitez vraiment, du sucre brun. Et moi j'utilise le sirop d'agave parce qu'il donne vraiment un très très bon goût, il n'y a pas du tout d'arrière-goût dedans. Donc je mets tout ça à mixer dans le blender quelques minutes, vraiment je le laisse longtemps pour avoir vraiment une texture bien douce et bien bien mélangée, bien veloutée. Et pour l'été, je rajoute plein 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 de glaçons. C'est vraiment parfait, vous pouvez même diminuer la quantité d'eau et mettre plus de glaçons pour faire vraiment comme une granité un petit peu, ou une texture plus glacée que celui-là. C'est vraiment très 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 bon, nous on adore. On l'a fait 2 fois la même journée, juste pour vous dire, c'est top top top. On adore vraiment cette recette-là, super simple, super rapide. Vous pouvez aussi la faire en avance le matin ou faire votre bouteille dans votre frigo. Quand vous avez soif, vous prenez ça, ça rafraîchit très très bien. Et finalement, couper au jus ou à l'eau, vos smoothies sont encore plus légers et encore plus bons. La deuxième version est faite à base toujours d'ananas, de banane, de la mangue. Donc j'utilise de la mangue congelée. Et j'utilise aussi l'eau de coco que j'ai acheté chez Action. Je vous avais déjà dit qu'elle est top, top, top. Surtout hyper froide parce que c'est meilleur et ça a un goût vraiment extraordinaire froid. Si vous la goûtez à température ambiante, elle n'est pas top, mais froide, super, super bonne. Et on va couper tous nos fruits. Donc vous pouvez utiliser uniquement des fruits surgelés aussi. C'est encore meilleur. Ça vous donne vraiment un goût encore plus glacé, plus froid. Vous pouvez aussi rajouter des glaçons, mais ce jour-là, j'ai pas rajouté. Et vous rajoutez l'eau de coco avec de l'eau si vous souhaitez, ou uniquement l'eau de coco. Et vous n'avez plus qu'à servir. Donc vous voyez, la texture de celui-là est un petit peu plus épaisse que la première. Il faisait moins chaud ce jour-là, mais vraiment le jour où il fait super chaud, j'utilise plus de glaçons, plus d'eau, vraiment pour rafraîchir, pour bien m'hydrater. Donc c'est top top top, moi j'adore ce genre de smoothie. Je vous ai déjà aussi montré d'autres smoothies aux fruits rouges avec plein de goûts que je vous mettrai en barre d'infos. C'est valable aussi pour l'été, vous rajoutez des glaçons et c'est parfait. Donc voilà, c'était mes indispensables pour l'été en tant que maquillage, soins,
nourriture un petit peu, donc des smoothies, c'est vraiment la base de ce que je mange la journée quand il fait super chaud comme ça, hyper chaud. Je vous laisse juste là des box super sympas que vous pouvez emporter avec vous à la plage, en pique-nique, dans des sorties d'été. Un autre aussi apéritif que vous pouvez faire en été, en sortie, c'est un peu quelque chose qui nous rappelle les vacances, donc c'est les bretzels en version sucrée et salée. N'hésitez pas à me dire si ma vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager bien sûr si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous serez au courant de toutes les nouveautés. Me laissez aussi des commentaires si vous avez des suggestions de vidéos que vous souhaitez voir prochainement sur ma chaîne. Et moi je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.